Vidéo destination Eurovision. Les quatre premiers finalistes sont et l'Eurovision, cette grande communion musicale où s'affrontent amicalement les nations européennes. En 2016, Amir a fait le meilleur classement que la France ait connu depuis longtemps et n'a pas su faire mieux. Cette année donc, le service public innove en proposant Destination Eurovision, un télécrochet qui élira le représentant de la France. Un jury international est composé d'Isabelle Boulet, Christophe Ouim et Amir ont choisi hier soir les quatre premiers finalistes de la compétition, sous l'égide de Garou, grand maître de cérémonie. Lisandro Cuxi, gagnant de The Voice, arrive largement en tête du classement, suivi de Emiliana, Malo et Luca. Samedi prochain, une seconde demi-finale proposera quatre autres chanteurs pour une grande finale le 27 janvier prochain où s'affronteront les huit candidats. La compétition fait rage /